Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter ces deux nouveaux petits arrivants. Ces deux nouveaux petits loulous qui sont arrivés à la maison hier. Je vous avais déjà filmé, mais du coup, comme j'avais encore un ou deux trucs à vous dire, et ben, je préfère recommencer, voilà. Du coup, ici, nous avons un petit mâle, voilà. Et ici, on a une petite femelle avec le poil Rex. Je ne sais pas si ça se voit en vidéo, mais j'aime tellement ce poil. Elle est tellement belle. Je vais juste là pour vous montrer. Voilà, gros coup de cœur sur cette petite louloute. Vous avez vu sa petite tête là. Elle est beaucoup trop canon. Le mâle est très mignon aussi. Normalement, je devais avoir deux femelles, mais du coup, quand il a regardé, etc., il a dit qu'il avait ce petit mâle-là. Du coup, peut-être qu'il y aura un autre lapin dans la suite de la vidéo qui va arriver. Au niveau des noms, du coup, je leur ai donné des noms hier. Donc, cette petite femelle s'appelle Ruby. Et le petit mâle s'appelle Saphir. Voilà, vous le voyez un petit peu mieux ici. Je le trouve très, très beau. Le propriétaire m'a dit que si ça me convenait pas, que c'était un mâle, etc., eh bien, il pouvait l'échanger avec une autre femelle, mais je le trouve très mignon et potentiellement, du coup, il pourra aller avec une ou deux de mes autres femelles. Et du coup, Grelot, ici, ira avec les autres femelles, les autres. Bref, voilà. J'ai oublié de vous spécifier, mais du coup, niveau caractère, ils sont très gentils. Peureux pour l'instant, mais en tout cas ils présentent aucune agressivité et au contraire, quand on veut les caresser, ils sont vraiment adorables. Autre petite information que j'oublie de vous préciser, du coup ils vont pas rester dans cette cage ici, ils vont aller avec Fauve et Pamplemousse dans une autre cage, enfin du coup pas dans une autre cage mais dehors, enfin dans le petit truc qui est pas tout à fait dehors, mais voilà, qui sera nettement plus grand. Elle restera avec les femelles et lui, après quand je séparerai les mâles, il ira avec sûrement les autres mâles. Du coup, je vous retrouve donc pour la suite de la vidéo. Et comme je vous ai dit, il y avait une petite femelle normalement qui devait arriver en plus. Elle est juste ici. Voilà, donc la petite Pirouette qui s'appelle du coup Pirouette. Ici, vous avez toujours Ruby et Saphir. Pirouette, du coup, niveau caractère, elle est beaucoup, beaucoup plus vive que les deux autres, plus craintive. D'ailleurs, voilà, elle se cache. Et on va plus voir un seul lapin. Et puis j'ai voulu les passer avec les petits qui sont de l'autre côté, mais ça s'est pas extrêmement bien passé à cause du Pirouette. Là je vais essayer de les séparer, c'est pour ça que je filme seulement maintenant alors que ça fait déjà quelques jours qu'elle est ici. Au niveau de son poil, elle a le poil Rex comme Ruby, du coup que vous voyez ici. Pirouette est cachée derrière, donc je peux pas vous la montrer. Voilà, elle a pas tout à fait les mêmes couleurs. Enfin, elle est tachetée, mais beaucoup beaucoup de marron. Voilà. Du coup, je pense que c'est à peu près tout. Du coup, là, je vais essayer de les passer avec les autres, enfin séparer mes mâles aujourd'hui. Et voilà, donc je pense pas, peut-être pas vous faire de vidéo, je vais voir comment ça se passe, etc. Voilà.